Ça, c'était le match où on était soi-disant venu prendre une raclée. Wow, l'ouverture du score ! On était au basque de Grenoble, entre 7 et 9 points pendant tout le long de la saison. Et on va à Grenoble et on bat Grenoble en plus d'une façon assez extraordinaire. Oh, l'accélérateur. Ah, lui, il est frais. Oh, attention, Badini qui est en train de faire la misère. Et voilà. Eux, c'était venu pour plier le championnat. Ils nous recevaient pour plier le championnat plutôt. Parce que si on perdait, c'était fini, quoi. C'était à 10 points, je crois. Et en fait, ça nous a relancés et eux, ça les a mis dedans. C'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Vous savez, la montée de CFA en national, c'est la montée la plus complexe. Et du coup, maintenant en national, on profite de la vie, quoi. Voilà, on prend ce qu'on nous donne, on n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est de bien représenter notre quartier au sein de ce championnat. Jouer, c'est jouer. Ça part quand tu veux, Nico. Le club de la Duchère a ses racines de l'autre côté de la Méditerranée. C'est les pieds noirs de la ville d'Oran qui ont fondé ce club-là en 64, juste après leur arrivée en France. Portant avec fierté les couleurs de la ville d'Oran qui nous ont été ramenées par nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais nos ancêtres pieds noirs. Ok, viens regarder. Ce quartier, à la fois cosmopolite, parce qu'il a plus de 46 ou 47 origines différentes, avec un milieu assez modeste, la famille moyenne, la famille typique à la Duchère, c'est une femme seule qui élève 4 enfants. Il faut comprendre cet environnement. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas être qu'un acteur footballistique. Notre slogan qui est concilier l'exigence sociale avec la performance sportive n'est pas qu'un slogan. Quand vous êtes dans un territoire comme celui de la Duchère, vous êtes d'abord un acteur social. Malheureusement, on associe souvent le social à la médiocrité. Et je pense qu'on peut faire vraiment de la performance tout en faisant du social. Et on le démontre d'ailleurs tous les week-ends, parce qu'on œuvre à des niveaux sportifs extrêmement hauts, tout en ayant une contrainte majeure au sein du club. On alloue un tiers de notre budget à nos actions sociales. Et j'ai préféré les intégrer dans le statut pour être dans l'obligation de le faire. Parce que faire des Zidane, c'est très bien. Mais si on peut contribuer à ce que ces jeunes soient bons tout court, pour moi, ça me paraît fondamental.